Salut à toutes et à tous, c'est Rivalino. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à la suite de cette playlist sur le langage de programmation C. Aujourd'hui, on va attaquer la notion d'itérateur. Les itérateurs, c'est quelque chose dont je vous parle déjà depuis quelques vidéos quand on a commencé à voir, je crois, les containers et je vous ai dit qu'on y viendrait. On y est. Effectivement, c'est une notion qui est quand même très importante parce que ça va vous permettre de faciliter la manière dont vous gérez vos containers, que ce soit des containers de la bibliothèque standard C ou que ce soit des containers euh, personnalisés, donc des containers que vous vous avez créé vous-même. En fait, je vous ai dit dans une des vidéos précédentes que les itérateurs, ce n'était ni plus ni moins que des pointeurs. Alors effectivement, ce sont des concepts qu'on peut rapprocher au concept de pointeur, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. En fait, si on essayait, si on pouvait définir ce que c'était qu'un itérateur, je dirais qu'on serait plutôt sur du pointeur abstrait. Je vais vous expliquer pourquoi je dis abstrait. Alors ce que je vais faire c'est que je vais faire deux vidéos sur les itérateurs. Dans la première vidéo, donc cette vidéo aussi, je vais en fait uniquement vous montrer comment on se sert d'itérateurs. Donc on va prendre un exemple qui est un container de la bibliothèque standard C++, par exemple un vecteur. Les vecteurs, c'est quelque chose qu'on utilise le plus avec, je dirais les listes, probablement dans les containers C++. Donc on va se servir d'un vecteur. Et en fait, je vais vous montrer que dans la classe vecteur, il y a des itérateurs et on va se servir de ces itérateurs pour faire des manipulations des éléments de notre vecteur. Dans la seconde partie, donc dans la seconde vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer nous-mêmes notre propre classe, on va l'implémenter et on va y ajouter des itérateurs. Et on verra comment en fait tout ça fonctionne dans les coulisses. Là, cette première vidéo va être simplement voilà, la création, la déclaration d'un vecteur, on va lui assigner des valeurs et ensuite on va se servir de quelques fonctions liées aux itérateurs pour pouvoir manipuler les éléments. Donc ici, on va passer tout de suite au code et on va inclure Vector. On va également inclure iterator. Voilà, ce sont deux headers de la bibliothèque standard C qu'on inclut dans notre programme. Alors, ici, ce qu'on va faire, bah, c'est on va déclarer un vector on va faire en sorte qu'il stocke des ints et on va l'appeler myvec pour changer. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un itérateur, mais pas n'importe quel itérateur, un itérateur qui est spécifique à la classe vector qui stocke des int. Comment faire ceci Eh bien, on fait std vector entre chevrons int deux points Voilà. Et en fait, cet objet-là, eh bien, tout simplement, on va lui donner un nom, on va l'appeler it. Voilà, comme ceci, tout simplement. Je vous ai dit que les itérateurs c'était un petit peu comme des pointeurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que notre it, on va l'assigner à my underscore vec.begin, comme ceci. Ce qui veut dire que maintenant, en fait, notre itérateur, donc notre variable, si je puis dire, it, it, c'est le diminutif d'itérateur, elle pointe vers le premier élément de notre vecteur. Donc pour l'instant, notre vecteur, il est vide, mais si je rajoutais des éléments, par exemple, je fais des un place back donc my on va mettre par exemple des valeurs tout à fait euh, arbitraires. Tac, tac. On va mettre ici 2 et ici, on va mettre 3. Regardez maintenant, notre hit, il pointe vers la fonction begin de notre vecteur. La fonction begin, en fait, c'est un itérateur qui pointe, donc c'est un pointeur qui pointe vers le premier élément de notre vecteur. Si j'affiche sa valeur, regardez, je fais std, c'est out, et là, je déréférence it, parce que, bien, it, c'est un pointeur, comme je vous l'ai dit, donc, comme on l'a vu dans la vidéo sur les pointeurs, pour accéder à la valeur pointée par notre pointeur, il faut le déréférencer, donc on déréférence it. Ici, on va faire un petit std endel. Si je lance le programme, maintenant, voilà, on a la valeur 1. Pour s'assurer que cette valeur est bien la valeur qui se trouve dans notre vecteur, et eh bien, ce qu'on peut faire ici, c'est, par exemple... It égale myvec.begin plus 1. Et là vous allez voir que si j'affiche à nouveau le déréférencement de it de notre, de notre itérateur, on va avoir cette fois 2. Regardez, je fais F5, on a 2 qui s'affichent. Donc voilà pour Déjà, ce que c'est qu'un itérateur et comment en fait s'en servir dans notre programme. Donc je le répète, cette vidéo c'est vraiment la première vidéo qui se contente de vous montrer comment on se sert d'itérateurs qui sont déjà implémentés dans la classe qu'on utilise. Donc là, dans la classe qu'on a instanciée, là l'objet qu'on a instancié qu c'est un objet de la classe vector et dans la classe vector, il y a déjà une implémentation d'itérateur. Donc là, la fonction begin c'est déjà un itérateur. Elle renvoie le premier élément de notre vecteur. Regardez maintenant si, si je fais myvec.end, alors là vous allez comprendre pourquoi je fais moins 1, je lance le programme et on a trois qui s'affichent. Alors pourquoi end moins 1 En fait, il faut savoir que la fonction end, donc itérateur end ou cend, alors que c'est constant end, on verra ça plus tard, les const itérateurs, tout ça, on verra ça dans, dans la vidéo suivante, mais l'itérateur qui découle de la fonction end, c'est un pointeur qui va pointer vers... Le dernier élément plus un. Donc vous allez me dire oui, mais euh, ce genre de choses on a déjà vu que ça causait des fuites de mémoire parce qu'on essayait d'accéder à une adresse mémoire qui ne nous était pas autorisée, etc. Oui, mais dans le cas des itérateurs, il y a une petite différence. On verra tous ces détails dans la vidéo suivante. Il faut savoir simplement que lorsque vous appelez la fonction end d'un conteneur de la bibliothèque standard C++, c'est comme si c'était un pointeur vers l'élément qui suit le dernier élément. Ce qui veut dire que si vous utilisez end pour déréférencer votre pointeur est accédé à un élément, attention, n'oubliez pas de partir de n-1 et pas de end, d'accord De end-1. Parce que end, regardez, si je essaye de lire la valeur qui se trouve au pointeur n, enfin littérateur n, je vais avoir une jolie petite erreur, une petite exception, voilà, une assertion carrément. Donc on avait vu dans la vidéo sur les assertions ce que c'était. Donc là, il y a carrément un test qui ne passe pas parce qu'on essaye d'accéder à une adresse mémoire qui ne nous est pas disponible. Voilà, donc on abandonne évidemment et on va remettre pour l'instant moins 1. Donc déjà, pour résumer ce qu'on a fait, on a inclus... Vector et itérator. Ce sont deux fichiers d'entête de la bibliothèque standard C, l'un qui contient la classe vector, l'autre qui contient différentes fonctions liées aux itérateurs de container C. Ensuite, dans notre main, on a déclaré un vector qui stocke des integers qui s'appelle myvec et on lui a poussé. Trois données, donc trois valeurs qui sont 1, 2 et 3. Ensuite, on a déclaré un itérateur. Donc, vous voyez qu'ici, on a utilisé l'opérateur de résolution portée pour accéder à cet objet-là, itérateur, parce que cet objet-là, il est propre à la classe Vector qui stocke spécifiquement des ints. Regardez, si je change, que je mets par exemple char, ici, ben, on va avoir une erreur parce que, eh bien, on ne peut plus donner d'instruction à notre itérateur, il y a un problème. Si je lance le programme, vous allez voir que, eh bien, on a des erreurs. Donc là, l'erreur nous dit que, en gros, il n'y a aucune conversion possible vers le vecteur qu'on a déclaré et duquel on essaye, auquel on essaye d'accéder. Donc du coup, on a une erreur. Donc là, vous voyez qu'effectivement, il faut être vraiment, euh, je dirais, rigoureux sur l'utilisation des itérateurs. Si vous voulez utiliser l'itérateur qui est spécifique à une classe container, il faut vous assurer que vous utilisez bien la bonne donnée, c'est-à-dire le bon type de variable, votre vecteur si stock des ints, n'utilisez pas un itérateur vers un autre type de données, ça ne marchera pas. Voilà. Donc ici eh bien on a donc déclaré notre itérateur. Vous voyez que étant donné qu'on utilise l'opérateur de résolution de portée eh bien on se rend compte qu'itérateur appartient à la classe vecteur les itérateurs ce sont vraiment des objets qui appartiennent à la classe container de laquelle ils accèdent aux éléments et ici ce qu'on a fait c'est que eh bien on a assigné notre pointeur, si vous voulez, notre itérateur it, à myvec.end moins 1. Et on l'a vu, pourquoi moins 1 Parce que la fonction end pointe vers un élément qui se trouve après le dernier élément. Donc du coup, on est obligé de faire moins 1 pour pointer vers en fait le, le vrai dernier élément de notre container. Et ici, bah, tout simplement, on affiche la valeur, on déréférence notre pointeur et on affiche, du coup, dans notre cas de figure ici, 3. Alors ici, ce que vous pourriez faire, je vous déconseille de le faire au début. Vous êtes dans une phase où vous apprenez ce que c'est que des itérateurs. Donc habituez-vous à écrire et à appeler, enfin à déclarer les itérateurs de cette manière là, mais ce que vous pourriez faire pour vous faciliter la tâche c'est ceci, auto hit, et là en fait on n'a plus besoin de cette ligne là, voilà on pourrait très bien faire comme ceci, et là si je fais F5, vous allez voir que bah, le mot clé auto hein, comme je vous le dis, il fait tout à notre place, hein, dans ce genre de situation, si vous y retrouvez utilisez le, voilà le mot clé auto il est là pour ça il est là pour que le compilateur s'occupe automatiquement de définir le type d'objet euh, que vous êtes en train de manipuler et de déclarer là en l'occurrence, et eh bien il peut tout à fait servir, donc là on comprend que hit on l'initialise à myvec.end donc on comprend déjà qu'on est en train de manipuler des itérateurs et bon le nom de la variable là est pas spécialement euh, très parlant qu'on pourrait faire c'est l'appeler par exemple underscore vec underscore it underscore voilà bon là on comprend que c'est euh, l'itérateur du vecteur qui se trouve euh, qui se trouve en haut et de toute façon on utilise myvec.end donc là on comprend qu'on est dans le contexte d'un itérateur voilà donc euh, pour l'instant on va rester sur l'écriture précédente parce que euh, c'est plus clair comme ça et ça vous permet de vous habituer aux itérateurs et la manière euh, dont on les appelle la manière dont on les dont on les utilise dans notre programme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre Au niveau de l'utilisation des itérateurs, il y a d'autres fonctions qui pourraient être intéressantes. Donc, par exemple, regardez ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir d'un itérateur pour boucler à travers notre vecteur et euh, accéder à ces éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est une boucle for. Et au lieu de se servir, comme d'habitude, de int i égale 0, euh, de point i inférieur à myvec point size de point i ⁇ ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir de hit et de deux fonctions qui viennent de... De, euh, du fichier header iterator. Donc je l'ai pas inclus évidemment pour rien. On va s'en servir tout de suite. Donc pour commencer, qu'on va faire, c'est qu'on va faire it égal std deux begin my underscore vec. Ça c'est la première chose. Maintenant deux points, on va faire it inférieur à std end my underscore vec. Deux points, pardon point virgule it plus, plus. Et là, on ferme la parenthèse. Ici, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, je me suis servi en fait de deux fonctions qui viennent du fichier d'entête iterator et qui sont en fait des itérateurs. Donc, en fait, c'est des fonctions de base d'itération dans des éléments des containers C. Donc, stdBegin, par exemple, c'est une fonction qui n'appartient pas à la classe vector, mais qui est déclarée et définie dans le fichier d'entête iterator et qui permet en fait de faire la même chose que, par exemple, la fonction begin de notre vector. Alors, pourquoi j'ai pas utilisé tout simplement euh, ici it égale myvec.begin et it inférieur à myvec.end pour la simple et bonne raison que, étant donné que c'est la variable que je manipule, it, je vais l'incrémenter, et eh bien à chaque fois, elle va être incrémentée, et du coup, l'intervalle va changer. Donc ça n'a aucun sens, si vous voulez. Et ici, bah, tout ce qui me reste à faire, c'est, comme tout à l'heure, un std out de déréférencement hit, pour afficher évidemment l'élément qui se trouve à l'endroit où euh, l'itérateur pointe. Donc l'itérateur, on peut résumer ça comme un pointeur. Donc maintenant, vous l'avez compris. Donc ici, si je lance le programme, voilà, donc on a 1, 2, 3 qui s'affiche dans notre fenêtre de débogage. Juste pour revenir sur ces deux fonctions-là, std begin et std end. Ce sont des fonctions non pas qui sont propres à la classe std vector, mais ce sont des fonctions qui viennent du fichier d'entête iterator et qui s'appliquent, qui fonctionnent sur tous les containers C qui implémentent des itérateurs. Attention il y a uniquement des classes containers C. Si vous voulez implémenter votre propre classe qui a ses propres itérateurs, ça ne marchera pas. À moins que vous implémentiez votre classe exactement de la même manière que les containers C sont implémentés dans leurs fichiers d'entête respectifs. Donc ce qui est pratique avec les fonctions begin et std. C'est que ce sont des fonctions qui ne sont pas forcément propres au conteneur qu'on est en train d'utiliser. Ça c'est la première raison. Et la deuxième raison c'est que si on avait voulu utiliser les fonctions directement myvec.begin et myvec.end, on n'aurait pas pu utiliser une boucle fort comme ceci. Du coup, étant donné que les fonctions std::begin et stdn sont dynamiques ce qu'on peut faire c'est par exemple faire un petit include d'un std arrêt ici donc on déclare notre petit arrêt qui va avoir euh, quatre éléments qu'on va appeler my underscore arrêt donc là on utilise des notions que j'ai vues dans des vidéos précédentes comme le mot- clé auto la classe std arrêt la classe stD vector si vous les avez pas vu je mets les liens en description de la vidéo vous inquiétez pas vous pourrez aller les consulter tout de suite alors ici ben on va l'initialiser tout de suite on va faire par exemple 1 2 3 4 voilà et ici on va modifier bien évidemment it notre itérateur puisque maintenant ce n'est plus un itérateur de la classe vector stockant des int c'est évidemment la classe arrêt et là on est obligé effectivement de préciser également la taille donc là bah évidemment c'est plus myvec c'est my underscore arrêt et My underscore arrêt ici aussi. Voilà, comme ceci. Alors, qu'est-ce qui me dit My arrêt Évidemment, c'est un tableau qui a quatre éléments et pas 5. Ça risque pas de marcher. Donc, regardez maintenant, si je lance mon programme, voilà, on a 1, 2, 3, 4 qui s'affichent, donc qui sont tous les éléments de notre std arrêt. Donc, vous voyez que ces fonctions-là, std begin, std end, ce sont des fonctions qui sont dynamiques. Du coup, on pourrait maintenant carrément faire une fonction qui nous permettrait dynamiquement de lire à travers les éléments, quel que soit le container qu'on utilise, tant que ce container implémente des itérateurs. Donc, des itérateurs C++, je précise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre fonction Bon, on va se débarrasser de arrêt, on a vu que c'était possible maintenant d'utiliser d'autres types de containers que les containers de type vector, donc pour pas encombrer notre code et pour prendre d'autres exemples, on va du coup remettre ça comme ceci et en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça, on va tout simplement le supprimer. Et ici, ce que je vais faire avant d'arrêter cette vidéo, c'est que je vais vous présenter deux, trois dernières fonctions qui sont importantes au moment d'utiliser, si vous voulez, les itérateurs directement dans votre programme. Pour rappel, on n'a pas encore implémenté ni défini des itérateurs nous-mêmes dans nos classes. Ça sera le sujet de la vidéo précédente. Là, c'est vraiment l'utilisation des itérateurs, des containers C ⁇ Je veux vraiment être précis là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut nuancer et comprendre. Alors, qu'on va utiliser, c'est deux fonctions qui sont les fonctions stdprev et stdnext. Je pense que déjà, vous voyez un petit peu à quoi ça peut servir. Regardez ici, par exemple. Donc, je vais assigner it my underscore vec begin comme ceci et ce que je vais faire là c'est que je vais redéclarer un autre itérateur et cet itérateur là bon, je vais l'appeler sec underscore it pour second itérateur et en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire appel à la fonction std next je rentre it comme premier argument et je vais rentrer par exemple 2 comme second maintenant je vais afficher std c'est out sec it et bien sûr je vais le déréférencer parce que c'est un itérateur et std handle alors je vous explique pas tout de suite ce que ça fait je pense que vous allez comprendre assez rapidement je lance le programme et regardez on a 3 qui s'affiche 3 c'est quoi 3 c'est le troisième élément de notre tableau ici on a déclaré notre premier itérateur qui pointe vers le premier élément de myvec, puisque c'est myvec.begin, je vous rappelle, la fonction begin, c'est la fonction qui va faire en sorte que notre itérateur va pointer vers le premier élément de notre tableau. Next, c'est une fonction qui, similairement aux fonctions std.begin et std.end, est une fonction qui est définie dans le fichier d'entête itérateur. C'est une fonction qui fonctionne sur tous les types d'itérateurs, tant que ces itérateurs sont définis dans des containers C++. Et ici, ce qu'on lui demande de faire, à cette instruction-là, c'est de déclarer un second itérateur qu'on appelait sec underscore it,

et on utilise la fonction next qui va permettre en fait de dire voilà tu prends l'itérateur cible comme paramètre et tu lui rajoutes 2 en d'autres termes on fait pointer sec hit deux emplacements plus loin que notre premier hit qui pointe vers begin en fait ceci std next hit 2 revient à faire myvec.begin plus 2 et si je fais f5 vous allez avoir la confirmation tout de suite voilà on a 3 donc le même résultat qui s'affiche donc en fait la fonction next on pourrait également faire comme ceci regardez je reviens en arrière on pourrait faire hit 1 et là, en fait, on pointerait vers 2. Voilà, vous voyez que ça revient à faire myvec.begin plus 1. Vous voyez qu'en fait, c'est une fonction qui nous permet de déplacer l'élément vers lequel notre itérateur, notre itérateur pointe en l'assignant à un deuxième itérateur. Regardez, je peux très bien me servir de sec hit comme limite d'intervalle d'une boucle for. C'est tout à fait possible. Regardez, je fais for hit deux points. Et là, eh bien, on n'a pas besoin de définir d'assigner la valeur initiale de départ de la boucle puisqu'on l'a déjà fait au-dessus en assignant myvec.begin à notre itérateur hit. On va faire hit inférieur à sec underscore it et ici it plus plus et là on fait un petit std cout out par exemple de it voilà, std, indel. Je fais f5. Et là, regardez, vous voyez que qu'on a simplement les deux premières valeurs de notre tableau qui s'affichent. Et on peut le vérifier en en rajoutant d'autres, hein, évidemment. On en met quelques-unes. Voilà. Des valeurs un petit peu aléatoires, pour pas que ce soit la même chose. Voilà. Là, si je fais f5, vous allez voir que de toute façon, le résultat est le même, puisque notre itérateur sec hit, qui est la valeur de fin à laquelle notre boucle va s'arrêter, correspond à begin plus 1. Donc next de hit est décalé de 1 vers la droite et eh bien on affiche uniquement les deux premiers éléments de notre vecteur. Si ici regardez je mets par exemple 3 à la place de 1, maintenant ça va afficher deux valeurs de plus et on va avoir voilà 1, 2, 3, 6. Donc les quatre premiers éléments de notre vecteur. Voilà. Donc ici pareil, regardez si je fais myvec.end et que là au lieu d'utiliser la fonction next j'utilise la fonction prev là je modifie l'incrémentation en désincrémentation donc c'est pas suffisant rappelez-vous si je commence à myvec.end il faut que je commence en fait à myvec.end moins 1 parce que sinon, je vais essayer d'afficher un élément qui est en dehors de notre vecteur. Et là, eh bien, j'ai plus que le signe à modifier. Et je fais F5. Et voilà, j'ai 2, 8, 5, 6. Donc en fait, c'est dans l'ordre décroissant. C'est-à-dire qu'on part du dernier et on se dirige vers le premier. Donc là, vous voyez, 2, 8, 5, 6, c'est bien, en fait, les 4. Quatre chiffre en partant de la fin de notre container donc une dernière petite fonction avant de terminer cette vidéo on va se débarrasser de ça et ici ce qu'on va faire donc c'est on va appeler notre itérateur begin on va l'assigner à myvec.begin comme ceci ici celui là on va l'appeler end et on va l'assigner à my vec.end et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va se servir d'une fonction qui pareil vient du fichier d'entête iterator qui s'appelle distance. En fait distance ça va renvoyer un nombre entier qui est la distance en termes d'index d'éléments entre deux itérateurs. Par exemple là la distance entre end et begin ça va être 1 2 3 4 5 6 7. On va le vérifier tout de suite on va s'en servir de cette fonction std distance on rentre begin et on rentre end dans les arguments. std endl je fais f5 et voilà. On a 7 qui est retourné. Donc en fait, grosso modo, c'est la taille hein, de notre vecteur. Parce que regardez, si je fais ici un std out de my underscore vec.size, un std handle, si je dis pas de bêtises, notre vecteur, il est de taille 7 aussi. Hein. Voilà, il est de taille 7. Pourquoi bah Parce que tout simplement, euh, on part du premier élément et on compte jusqu'au dernier. Donc euh, on a exactement la taille de notre vecteur. Mais on pourrait faire autrement. Regardez ici, soit on fait begin plus 2, et à ce moment-là, donc cette ligne-là, on va la commenter. À ce moment-là, on va avoir 5. Voilà, on a 5 parce que on part plus du premier élément de notre tableau mais de deux éléments plus loin vu que on avait 7 on enlève deux éléments on n'a plus que cinq éléments voilà on pourrait faire ceci regardez std begin de my underscore vec plus deux si je fais F5 on a 5 également c'est exactement la même chose en fait la fonction std begin c'est une fonction générale de la fonction begin attachée à un container c'est à dire que la fonction myvec point begin c'est une méthode de la classe vector std begin c'est une méthode qui se trouve dans dans le fichier itérator et qui marche sur tous les types de containers C ⁇ Donc on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, j'aborderai les différents types d'itérateurs, parce qu'il y a différents types d'itérateurs. Il y a les itérateurs d'entrée, les itérateurs de sortie, il euh, y a les random access itérateurs, il y a les itérateurs bidirectionnels. Donc on ne rentrera pas trop non plus dans les détails de tous ces types d'itérateurs. Ce qui est important de faire dans la deuxième vidéo, c'est vraiment d'implémenter notre propre itérateur dans notre propre classe. Donc une classe qu'on va vraiment nous-mêmes déclarer, définir. On va lui déclarer des méthodes, on va implémenter vraiment un itérateur à l'intérieur de notre classe et on verra en fait ensuite ce qu'on peut faire avec. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude à les mettre dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C ⁇ Allez, ciao, ciao